Répandre les ténèbres, voilà le projet des assassins d'aube, extrémistes de tout bord. Ils sont légions, et sans hommes, sans armes, égarés et armés, sentinelles de la pensée, milices de la terreur qui nourrissent la haine, qui se nourrissent de la haine de l'autre, qui vit, rit, prie, jouit différemment. Ils sont légions, et sans hommes, sans armes, qui sèment le chaos, la destruction et la mort sur leur passage. Ils sont légions, sans honneur, et leur projet est de répandre les ténèbres. Alors il est temps pour nous, il est temps peut-être de rallumer les lumières, rallumer les lumières. Au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, les ténèbres. Car nous sommes nombreux nous aussi à dire non à la peur de l'autre, l'autre qui ne vit pas, ne vit pas, ne vit pas, ne jouit pas comme nous. Nous sommes nombreux nous aussi à dire non. Nos mots obscurantissent vers la propagande de ceux qui nous tuent, nous défendent notre humanité au nom d'un dieu ou de l'idée qu'ils s'en font. Ceux qui nous aiment, nous, mécréants, athées, agnostiques, animistes, religieux, pratiquants ou non, tous infidèles autant que nous sommes au fond. En droit d'être humain. Alors il est temps peut-être de rallumer les lumières et les étoiles dans les yeux des enfants. De rallumer les lumières et les étoiles. De rallumer les lumières. Voilà notre projet, échafaudé de boue. Dans le sang gisant au sol, le plus des balles qui sifflent, des bombes qui soufflent, des machettes qui tranchent, des haches qui décapitent. Rallumer les lumières et les étoiles malgré le bruit et la fureur. À 15 ans, je me disais que la terre se porterait bien mieux sans prophète, que le monde tournerait plus rond s'il nous sentait un croire enfin en ses poètes. Je rêvais alors de voir les peuples se convertir à la poésie, et je nous imaginais armés du chant des partisans de la beauté, allant ensemble à la lutte, commettre des attentats poétiques, sourire aux lèvres. J'avais 15 ans, et j'apprenais à vivre selon les vers de Rilke, Holderlin, Césaire, Éluard et Neruda qui m'enseignaient l'essence de l'amour, le sens de l'existence, l'école de la pensée libre, de la poésie. J'avais 15 ans, je rêvais, j'imaginais, j'apprenais, me questionnais. J'avais 15 ans. Depuis j'ai grandi un peu, mais je rêve, j'imagine, j'apprends et me questionne toujours. Comment interpeller l'avenir en semant l'espérance, en serrant ici et là, partout, dans intense la vie même. Mais ce que je dis n'engage que moi et d'autres aussi qui refusent d'appliquer ou céder une once d'intelligence collective, résistant comme ils peuvent à la maîtrise, la barbarie, la violence, l'horreur. Inhumaine, humaine, inhumaine, humaine, inhumaine, humaine, inhumaine. Alors on se bat pour ne pas basculer, surtout ne pas basculer, ne pas basculer dans le cynisme, le défaitisme, la vulgarité, ou alors accepter de tomber, car il n'y a rien de plus humain. Tomber puis chevaucher sa chute pour avancer à nouveau, tomber pour mieux se relever, faire face à la bêtise, la barbarie, la violence, l'horreur. Inhumaine, humaine, inhumaine, humaine, inhumaine. Ce que je dis n'engage que moi.
ou pas. Car ce que je dis vous engage peut-être vous aussi, assis confortablement ou non dans vos vies. Ouais. Nous sommes nombreux à vouloir allumer les lumières et les étoiles dans nos yeux. Allumer les lumières et les étoiles. Alors serre-moi la main, fais-moi la paix, dessine-moi un matin de lumière. Et puis le soleil et le cire qui tournoient en spirales infernales de tendresse.